Vous apprenez vite. Bonjour. Ok, mais je suis qui là? Ah, c'est compliqué. Vous êtes ici, dans vos quartiers, spacieux, lumineux, tout confort. Bon, encore un peu vide, mais ça ne va pas tarder à se remplir. Se remplir. Gabriel, pour vous servir, bienvenue au paradis. L'ange Gabriel, c'est ça? Vous n'êtes pas censé avoir des ailes dans le dos? C'est quoi ça? Non, les grandes, j'avoue, je les mets uniquement pour les grandes occasions. Descendre, monter, redescendre. Un petit jeu dont vous userez également. Avec parcimonie uniquement. Comment ça, descendre? On est monté là? Regardez. En bas. Penchez-vous. Ok. Des machins, trucs minuscules. Et alors? Vous pouvez les saluer. Ce sont vos créateurs. On les appelle les humains. Et vous êtes en train de me dire que ce sont ces petites choses qui m'ont placé ici? Mais j'ai rien demandé, moi. Bah, il va pas faire la fine bouche non plus. Déjà, vous existez et après je ne sais combien de tentatives, ça a l'air parti pour durer. Mais pourquoi moi? On va pas tourner en rond 100 000 ans. Est-ce que vous avez une idée de vos fonctions? Honnêtement, non. Un œil. Non, pas un œil. Zi, œil. C'est l'œil qui voit tout. Et c'est à moi, ça? Non, c'est pas à vous. C'est vous. Alors? Vous y êtes? Ah ouais, quand même. Dieu? Dieu, rien que ça. Mais je préfère vous prévenir. C'est du travail et des responsabilités. Bah, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Tout confort. Ah, attendez, c'est encore tout neuf. Nous ne sommes que 50 000 ans avant la naissance de votre fils. Mon fils. Mon fils? On en reparlera plus tard, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez une idée du job? Je commence à comprendre, Gabriel. Ces humains-là en bas, ils croient en moi. Ils commencent à être nombreux. Et me voilà, Dieu, le grand administrateur en charge de la vie, de la mort, de la spiritualité, des animaux, des plantes, des serpents, des hippocampes, des dragons et même des licornes. Mais non, non, non. Les dragons, les licornes, là, on avait dit on n'en met pas. On se recentre sur leurs âmes, une préoccupation depuis qu'ils s'initient à la spiritualité et qu'ils se posent des questions existentielles. Je les trouve intéressants. Ok, il y a du potentiel, mais regardez-les. Ce ne sont que des brutes assez épaisses. Va falloir un peu relever le niveau. On verra ça plus tard. Déjà 10 000 ans de passé et ça se remplit derrière nous. Regardez. Les enfants, on se calme, on se met en rang, je suis votre père, on prend les clés, on s'installe et on profite. Mais on ne fait pas de bêtises, hein, parce que sinon moi je vous réincarne vite fort méduse et pour les plus affreux, je vous envoie cuire directement au 9e sous-sol. Mais dites donc, le métier rentre. C'est pas bien compliqué ce job, me direz-vous. Ils sont contents, je suis content. Ils sont joyeux, je suis joyeux. Ils pleurent, je pleure. Ouais, ils pleurent même plus là. C'est même dramatiquement ennuyeux, je trouve. Mais vous les avez regardés, vous? C'est quoi cette bande d'ahuris qui patauge dans le bien-être et qui sourit béatement? Hein? C'est ça le paradis? Moi, je trouve ceux d'en bas beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire, Seigneur? Pas de chichi entre nous, Gabriel. Appelez-moi Dieu. Mais vous montez en grade, et avec tous ces nouveaux arrivants, si on veut pas que ce soit le bazar, va falloir y mettre les formes. Faites comme vous voulez. Mais moi, je les trouve magnifiques. Regardez,
Ils se servent de leurs mains, ils pensent, ils créent, ils inventent. Je peux aller faire un petit tour? Non. Allez, juste un petit coup d'œil. Non, c'est pas un jeu. Vous n'avez le droit qu'à quelques apparitions soigneusement planifiées. Ok, mais regardez. Oh, une période glaciaire. Eh oui, et au lieu d'attendre que la sélection naturelle leur recouvre de poils, ils vont aller zigouiller des mammouths, enfiler la fourrure. C'est remarquablement intelligent. Oui, ils sont doués, je vous l'accorde, mais... Oh. Quoi? Quoi? Ah bah, seigneur, la moitié de vos fans vient de passer l'arme à gauche. Éradiquée. Quick. Une épidémie de grande ampleur. Vous sentez, non? Ouais. C'est vrai que là, je me sens un peu fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Bah, avec la moitié de zigouillés, ça en fait nettement moins qui croient en vous. Et dans les rangs des survivants, on commence sérieusement à vous en vouloir. Mais j'ai rien fait, moi! Je ne suis absolument pour rien! Et je vous avais prévenu, hein. Ça s'appelle les responsabilités. Pour eux, c'est une punition divine. Eh ben ça, c'est la mienne. Je peux même pas descendre, m'expliquer, me défendre. Bah, et qu'est-ce que vous allez leur dire? Coucou, je suis Dieu le Père Tout-Puissant. Oh, ben j'ai rien pu faire. Non mais franchement, ça serait pas très intelligent. Donc calmez-vous si vous voulez survivre, d'autant qu'en bas, vous commencez à avoir des concurrents. Je suis Dieu, je n'ai pas de concurrent. Oui, bon ça. C'est quoi encore cette histoire? Eh ben justement, l'histoire est avec un grand H. Agriculture, habitat, âge de bronze, tous ces outils là dont vous semblez si fiers. Eh ben en bas, ils s'organisent. Et du coup, ils mettent des chefs. Des chefs qui commencent à se prendre pour moi. Pharaon. Pharaon? Pff, ridicule. Ridicule, peut-être, mais influent. Est-ce que vous sentez votre pouvoir revenir là? Ça revient. Ça revient. Mais tous ces pseudo-dieux à la con... Rappelez-moi de leur passer un savon quand ils arriveront ici. Vous avez vu tous ces petits menteurs qui se prennent pour mon fils? Ah, d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est l'heure, seigneur. Juste une annonce. Alors, ça s'est bien passé? Plutôt oui. Regardez par vous-même. C'est lui mon fils? D'où il arrive? Il manque pas d'air quand même. Attendez, gros potentiel! Une étable, des conditions socio-économiques défavorables. Ouais, c'est pas mal ce qu'il raconte. Tendre l'autre joue. Tu ne tueras point. D'accord, ok, ça se tient. Jésus, le fils de Dieu. Bon, puisque je peux pas descendre, il me faut bien quelques prophètes. Ah, non, lui c'est carrément The Messie. Non, il travaille bien. Mais il en fait pas un peu beaucoup là? Marcher sur l'eau? Non, faut pas lui en vouloir. Schizophrène. Il lui arrive d'avoir quelques hallucinations, mais quand même, avouez, ça manque pas de panache. Eh bah, changer l'eau en vin, multiplier les pains. Le petit, il est doué, très doué même. Et il recrute, regardez. 12 apôtres. Vous savez, Gabriel, j'aime son style. Tant mieux, parce qu'on va en prendre pour 2000 ans, à partir de maintenant. Une croix? Ouf. Ou c'est barbare, ça? Ou c'est pas gentil? Mais je suis pas censé faire quelque chose, là? Ah, mais je vous en prie! Faut bien que ça serve à quelque chose de temps en temps d'être Dieu. Ressuscité. Ah, mon fils, quel bonhomme! Et alors, les apôtres sont en train de nous coucher ça noir sur blanc. Ça va être du tonnerre de Dieu. Bon, le temps passe. Je vois qu'on s'organise tranquillement là en bas. Autour du culte de votre fils, et par là même du vôtre. On appelle ça... la chrétienté. Attendez là. C'est quoi ce bazar? On dévie un peu là, non? Oui, bon, c'est possible. L'an 1000 arrive, les croisades, tout ça. Mais c'est un massacre! Et tout ça en mon nom? Vous êtes fous là! Vous vous prenez pour qui? Pour moi peut-être? Vous êtes complètement malade! Vous êtes complètement taré! Mais
C'est la rançon du succès, Seigneur. Soyez un peu politique, là. On évangélise à tour de bras, le Vatican monte en puissance. Vous voyez grossir les rangs de vos fidèles. Et vous n'allez pas vous y mettre, Gabriel, ok? Le job, c'est vous qui me l'avez appris. Veillez au bon comportement des hommes et au bonheur. Je vais descendre, je vous jure que je vais descendre. C'est l'écrit à Saint-Pierre, je descends. Impossible, Seigneur. Les hommes, vous voulez au-dessus d'eux, pas parmi eux. En fait, je suis le chef, j'ai tous les pouvoirs, je contrôle rien. Allez. Ok, on respire, siècle des Lumières. Des encyclopédistes. Révolution française. Ouais. Révolution industrielle. Bah oui, mais non. La guerre ? Mondiale, la guerre. Je suis fatigué. Je crois que je suis en train de faire un burn-out. Vous voulez un arrêt maladie ? Non, sérieusement, les 30 glorieuses, ça va vous détendre. Mais c'est pas très très bon pour le commerce. Mais pourquoi donc ? Ah bah parce qu'en temps de guerre, on croit en vous, vu qu'il y a que ça à faire. L'informatique, tiens. Paradis ici. Pomme. T'as toujours su soigner tes entrées, toi. En même temps, à force d'avoir passé tous ces gens qui ont lamentablement raté leur sortie. Salut Dieu. Gabriel. Ça va, toi? Dis donc, t'es sapé comme le pape. Tu sais ce qu'on dit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi je monte? Au-delà du fait que venir profiter de votre air frais n'est pas désagréable, je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous auriez constaté, je trouve qu'en bas, on ne peut plus leur faire croire n'importe quoi. À commencer par toi. En enfer, il y a bien longtemps qu'on a compris que tu es une femme, Gabrielle. Oui, enfin sur Terre, il y en a encore beaucoup qui pensent que tu es tout rouge. Puis j'ai des sabots. Puis j'ai des cornes. Puis j'ai aussi une grande queue pointue. Si Lucifer en personne monte voir Dieu le Père, c'est sûrement qu'il a la queue entre les jambes. Écoutez, je passe vous voir. Je suis... Tracassé ? Qu'est-ce qui se passe ? Mes admissions sont en train de dégringoler. Je tiens pas mes objectifs. Je crois que les gens n'ont plus peur de moi. Tu veux pleurer ? Mais tu sais que tu veux pas te le permettre. Je fais pas mes chiffres ! Je fais pas mes chiffres ! Et je sais pas si vous deux, vous avez bien pris la mesure de ce qui est en train de nous tomber dessus. Parce que soit l'humanité est devenue sage, et ça vous allez me permettre d'en douter, soit on a un problème ! On a un problème systémique, un problème de modèle. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, dans le détail, avoir accès à vos chiffres d'activité. Bon, ça va, je crois que c'est pas si mal. Gabriel. Mais non, Seigneur, c'est le 21e siècle, c'est la crise. Les lieux de culte se vident et votre fils ne fait plus recette. C'est ça, c'est systémique, c'est systémique.
Parce que tu sais exactement comment ça fonctionne. Avant, il y avait des guerres. Tu prenais les gens bien, je prenais les salopards, et moi, je remplissais les enfers, mais comme qui rigole. Mais là, il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de substance. C'est vaguement quali, il y a quoi? De la haine, des trahisons, du mensonge. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse tourner mon business avec ça, moi? Et puis, c'est Internet qui nous fout dedans. Ils se foutent sur la gueule en virtuel au lieu de se zigouiller à l'ancienne. Il y a un moment dans notre modèle, il faut que ça saigne. Lucifer, tu dramatises un peu, là, non? Mais regardez, Seigneur, c'est la désertification. Lucifer a raison. Regardez ces hommes, la création, toutes ces inventions que vous vantiez. Ça leur a apporté un confort indécent. Ils se posent plus de questions existentielles. Il n'y a plus que les petits vieux dans les églises. Il n'y a plus que les restes. Non, quand on est dans le confort, on n'a besoin ni de croire, ni d'avoir peur. C'est vrai que réflexion faite, je commence à sentir baisser mes pouvoirs à nouveau. Gabriel? Bon bah moi je vais vous laisser. Je vais redescendre. Tant qu'il y a encore un ou deux salopards à griller qui ont encore un peu la trouille de moi. Il reste plein de croyants en bas. Il y en a même qui sont prêts à mourir pour moi en ce moment. Non mais ça va beaucoup trop loin. Mais moi non plus, je suis pas à l'aise avec les radicaux. J'irai des types qui sont encore plus diaboliques que moi. Puis tout ce qu'ils font, ils le font en ton nom à toi. Non. C'est hors de question que j'enfile ton costard. Sur ce... Lucifer! Je suis l'Éternel! Lucifer! L'éternité. Tu sais où elle est, Dieu, l'éternité? L'éternité, c'est des cimetières, avec des cailloux, avec des gens en dessous, dont personne ne se souvient.